Salut les potos, bienvenue sur la chaîne. Bon là je vous présente un petit glitch qu'on a trouvé avec un Brésilien. Bon, on l'a testé, il y en a avec qui ça marche, il y en a avec qui ça marche pas. Je vous préviens d'office. Donc faites des tests. Nous aussi là il est tout frais ce glitch. Donc on va le tester et on va essayer de trouver pourquoi ça marche pas. Donc déjà pour moi ça n'a pas fonctionné. Je suis limité à un véhicule par jour. Il y en a qui ont un véhicule par jour. Et ils ont débloqué leur limite de vente de 1. D'accord? Donc comptez le nombre de voitures que vous allez vendre automatiquement. Exemple, vous allez en vendre 6, 3. Vous en vendez 3. Vous avez votre limite de vente. Vous faites le glitch comme je vais vous présenter. Et vous verrez que vous pourrez en vendre pareil, 6 et 3. Et vous recommencerez le glitch. D'accord? Vous risquez au bout de 2-3 fois de ne plus pouvoir le faire. Donc on verra, on essayera demain. Et ça devrait remarcher. Donc je vous explique, on va réussir à débloquer la limite de vente. Voilà. Donc il vous faudra faire ces manip-là. Ok. Donc vous allez vendre vos voitures chez Béniz au maximum. Dès que vous avez la limite de vente, vous ressortez. Et on va lancer une mission. On va lancer mission explosion. D'accord, il faut faire des missions où vous livrez des véhicules ou alors il faudra livrer exploser des véhicules. Voilà. Donc là, je vais lancer ma mission. Donc on va dans Rockstar en ligne, mission. Créé par Rockstar. Et là, je vais lancer Explosion. Donc, la première mission, il faudra la finir. Donc, là, je dois exploser des voitures et me ramener au garage. C'est vraiment simple. Donc, testez. Voilà. Que tout le monde teste. Si vous réussissez pas, les gars, écrivez-le. Et ceux qui réussissent, je compte sur vous pour l'écrire. Donc comme ça, on verra bien que ça marche. Donc nous, on a fait un essai, on était 6, il y en a pour 4 que ça a marché. 4 sur 6, j'ai dit allez, je le poste. Donc ce glitch, il vaut le coup. Même s'il fonctionne pas pour tout le monde, on risque de trouver demain des solutions pour tout le monde. D'accord? Parce qu'apparemment, il y a plusieurs méthodes. Et si on essaye peut-être toutes les méthodes, on verra si une méthode marche pour l'un ou si une méthode marche pour l'autre. Donc là, cette mission, vous mettez des pains, vous mettez des bombes collantes, vous montez dans votre voiture et vous actionnez les bombes collantes. Comme ça, vous n'aurez pas la police et vous finissez la mission direct. Que si vous la voulez faire exploser à pied, vous allez avoir les flics, il faudra les éviter. Donc, faire gagner du temps. Montez dans le véhicule et là vous lancez. Boum, direct, vous n'avez pas de police. Première mission finie. La deuxième mission qu'on va refaire, il faudra que vous vérifiez qu'elle soit à un joueur. D'accord? Que ça reste une mission et à un joueur. Donc je compte sur vous les gars, pour ceux qui ont réussi, dites-le. Une fois que vous avez bien test, vous le dites, moi j'ai réussi. Si vous avez réussi 2, 3, 4 fois. Ça peut aider pas mal de joueurs. Si vous avez des conseils, on est là pour les écouter. Donc si vous avez 5 minutes, essayez de nous renseigner un petit peu. Donc c'est un tout nouveau glitch. Je pense qu'il va évoluer dans le temps, il sera pas patché de suite. Donc on va en profiter. Donc moi j'ai quand même vendu pour 500 millions de voitures. C'est peut-être pour ça que je peux pas le faire. Ça n'a pas marché. Je sais que José qui l'a présenté, il en a vendu 30 ou 40. Il a fait 3 ou 4 fois. Donc là vous voyez en bas, vous vérifiez qu'il soit un joueur et que ça reste avec une étoile, une mission. Vous lancez cette mission.
Et vu que vous avez deux vies, vous allez vous suicider deux fois. Confirmé. Donc moi je suis franc avec vous, hein, les gars. Moi j'ai essayé deux fois, j'ai pas réussi à la débloquer, cette limite de vente. Déjà, j'ai de la chance de vendre des voitures à 900 000, qu'avant je les vendais 19 000. Voilà. J'espère avoir des bons échos sur cette vidéo. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé de débloquer cette limite de vente. Ben, si j'arrive à vous la débloquer, ça ferait plaisir. Merci à José pour cette vidéo. Moi, j'ai des collègues, ils ont réussi, sans problème. Donc là, vous voyez, je me suis suicidé. Et là, maintenant, vous allez mettre rejouer. Et quand vous aurez mis rejouer, vous allez quitter la mission. Vous allez faire rond, quitter. Voilà, rejouer. Et là, je quitte la mission. Donc les gars, si vous cherchez à faire de l'argent, en ce moment, il n'y a pas de glitch. Venez voir la vidéo du braquage. Abonnez-vous. Voilà, on est tous à l'affût. Dès qu'on a un petit glitch pour vous, on vous le sort. Voilà. Un gros big up à mes potos. C'est Zone 78, Jibus 69. Abonnez-vous les gars. On va vous sortir des glitches. Et assez glitchers aussi. Donc je mets leur lien de leur chaîne dans la description. Si vous avez 5 minutes, que vous pouvez aller vous abonner à eux. Voilà. Ça fait partie de la team ADH. Donc on a créé un crew aussi. Rejoignez-nous dans le crew les potos. On va essayer de se faire des trucs bien ensemble. Voilà. Là, une fois que vous serez revenu, il vous faudra aller vendre vos véhicules. Et vous n'aurez pas de soucis. Donc prévenez-nous une fois que ça a bien marché. Et je pense que ça va faire plaisir à pas mal de joueurs qui n'arrivent plus à vendre beaucoup de véhicules, qui aimeraient vider leur garage pour le prochain glitch. Ça serait une bonne solution. Donc je vous ferai des lives. On va essayer de trouver des déblocages un peu pour tout le monde. N'y a pas de raison que ça marche pour un, pas pour l'autre. Donc je vais le tenter en débuguant ma console. Je vais essayer de spammer L1R1. Débuguer ma console, c'est je vais éteindre ma console, rallumer par la console. D'accord? Je reste appuyé dessus, elle va faire bip. Je vais laisser ma manette branchée. Je vais faire le choix numéro 5. Et je vais revenir dans le jeu. Je vais le tenter. Donc si vous avez le temps de le tester avant moi, dites-moi si ça a marché. Voilà, on va essayer de mettre toutes les chances de nos côtés. Au calme les potos. Voilà, en tout cas merci à tous les potos qui soutiennent. Un gros big up. Hashtag Fouedji. On est là à l'affût, dès qu'on a un petit glitch pour vous, hein, on fait tout pour vous le sortir. Allez les gars, je vous dis à bientôt. Un pour tous, tous sur un.